Salut tout le monde, c'est Zorn. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus pour la présentation de l'Eka Flip de mon cousin S Fujiro level 187. Et bien sûr pour en parler je suis accompagné de mon cousin Baba, salut à toi. Salut tout le monde. Donc durant cette vidéo on va vous présenter un petit peu le stuff, vous expliquer pourquoi mon cousin y reprend, présenter le stuff et ensuite le Rox. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mon cousin, c'est depuis le début de ma chaîne qu'il faisait des vidéos avec moi au tout début, il m'accompagnait durant mes vidéos. Donc il a arrêté il y a 2 ans son Eka Flip parce que les mises à jour ne lui plaisaient pas, le jeu commençait à le saouler, enfin comme il a beaucoup de personnes malheureusement. Et là il y a quelques jours il a voulu reprendre, donc il a repris son Eka Flip. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce que tu as fait sur le jeu un petit peu. Voilà, bah donc moi les K-Flip, bah vous allez tous dire ouais bon il fait K-Flip, maintenant c'est cheaté, voilà. Mais moi ça fait environ 6-7 ans depuis qu'on joue avec mon cousin. J'ai toujours joué K-Flip et donc moi j'ai voulu reprendre cet K-Flip là qui faisait partie donc de la S-Team qu'on avait fait avec Ezor. Oui, parce que la team que vous connaissez, on l'a faite au départ, au tout début avec mon cousin, on l'a fait ensemble. Après je l'ai reprise moi-même parce qu'il pouvait plus avec les cours, donc je l'ai reprise moi-même. Au départ la team on l'avait faite à deux, voilà. Et il y avait justement cet Eka Flip. Voilà, et donc j'ai voulu le reprendre pour pas recommencer justement le perso, voilà. Et en plus moi ce que j'aime jouer dans ce jeu c'est par-dessus tout c'est les Eka. J'ai toujours joué Eka, donc voilà, même il faudra... Je me suis rendu compte qu'il y avait eu plein de mises à jour, que les Eka avaient été nerf pas mal. Donc il faudra que je réapprenne. Pas nerfé. Ok, ils ont été. ils ont non, été. Le mot nerfé n'existe pas sur le mot Eka. Pas sur les K-Flip. Qui ont été pas mal. Qui ont pas mal évolué en gros. Ouais. Et voilà, il va falloir que je réapprenne un peu à jouer parce qu'il y a. Par exemple, le trèfle, où maintenant voilà. Il donne plus de coups critiques. Quand il m'a dit, mais c'est bizarre, maintenant le trèfle il donne plus de coups critiques. J'ai fait non, il donne plus de coups critiques, non. Voilà. Maintenant ça soigne, etc. Donc c'est totalement différent. Et en fait, ouais, quand il a repris les K-Flip hier, il m'a dit, mais c'est bizarre, les K-Flip il t'a beaucoup plus qu'avant. Mais je fais, ouais, c'est un peu normal. Ils ont un peu été un peu. Ils sont maintenant, c'est les Eka-Flip, punaise, sont cheatés maintenant. Donc il m'a fait d'accord, je comprends mieux. Donc quoi, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'il a pas joué, donc forcément il a pas suivi toutes les mises à jour. Donc on vous dira un petit peu les projets qu'on vous fera à la fin de la vidéo. Donc on va présenter un petit peu les Eka-Flip maintenant, on a assez bavardé, voilà. Donc je te laisse présenter ton Eka-Flip, vas-y. Donc j'ai choisi de faire un Eka-Flip donc multi-élément. Pour normalement level 190, donc 187, 190, j'ai voulu, voilà, pour mon Eka, j'ai pris une panneau boréale, voilà, de base, basique, donc la ceinture... Ça me fait délirer comme il commence. Tu me déstabilises aussi, ouais, j'arrive pas. Donc on présente... La panoplie boréale pour ceux qui connaissent. Il me fait une tête là aussi, ça me. Donc à 3 objets parce que tu n'as pas le niveau pour mettre les bottes. voilà, donc ça me donne 100 de partout dans toutes les caractéristiques. 20 dommages de partout aussi, des coups critiques. Et bien sûr, quand j'aurai le level pour les bottes, ça nous fera donc 150 dans tous les éléments, 30 dommages, 9 coups critiques et un PO. Voilà, donc ensuite en amulette. Oh putain! Putain, c'est la première fois, ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo commentaire à côté, quoi. Ouais. Donc l'amulette Kaïdera, qui est une très bonne amulette, on la conseille fortement. Donc la panoplie boréale pour les Eka Flip à notre niveau 190 pour les personnages, pour les Eka multi-éléments, c'est super intéressant. Vous avez vu les bonus dommages qu'on a. Par contre, la panoplie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions. Les conditions sont pas non plus extrêmement difficiles à avoir. Merde, c'est les bottes du gros Zilla. Donc la ceinture boréale, il faut avoir en dessous de 600 force, les bagues moins de 600 en chance, la coiffe moins 600 en intel, et pour terminer les bottes moins 600 en agilité. Donc voilà, faut avoir tout ça à moins 600. Bon, vu que les K-Flip est full full vitalité, ça pose pas trop de problèmes. Les bottes de gros Zilla qui sont pour moi bien, tu pouvais prendre les autres, mais je crois que c'était les fossiles, mais il faut faire le succès. Et les bottes coûtent extrêmement cher, donc vu que tu viens de reprendre. C'est nouveaux items, ouais, donc c'est cher. Mais bon, ça c'est bien pour remplacer en attendant les bottes. Ouais. Boréal. Et t'as mis aussi la cape du Tengu Girofux. Cap Tengu, en attendant, bien sûr, le voile d'encre. Et j'ai un OPAPM, le baguette des limbes. Alors, si vous avez. Alors, vous pouvez nous proposer des. Alors, peut-être qu'un de ces quatre il va acheter un Exopéa.
pour pouvoir justement avoir un CAG, donc ce qui fait qu'à la place de la dragonnade en armure, tu mettrais une dragonnade d'émeraude et rousse pour avoir le Vita et PM, Ouais. pour être en 5 PM. Ou sinon, tu achètes un exo PA PM, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc tu seras en 5 et tu achètes un exo PA, PA. par exemple, je sais pas, mon bague boréal ou j'en sais rien, un autre truc, Melou ou j'en sais rien. Ben non, parce qu'il faut que tu aies la panoplie, justement. PA pour être en 11-5 et pouvoir mettre un CAC. Donc si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à proposer pour au niveau du CAC et aussi au niveau de la dragonnade. Si vous avez des idées à la place, par exemple, pour mettre un Peki pour qu'il ait un peu plus en vitalité, par exemple, pour qu'il ait 5900 vitalité. Ben, proposer presque 4000 points de vie, ça serait pas mal. Donc si vous avez des familiers ou des dragonnades à proposer pour son EK, ben surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Les commentaires sont justement là pour. Donc voilà. Et pour terminer, on a mis, ben, t'as mis les Voilà, joueurs tout à fait. majeurs, servant majeur, Tous les furibond majeur. éléments. Et bien sûr, puissance, parce que je suis multi et puissance. Avec les Donc, cas flip. voilà. Et la coiffe de Boréal, on la montre vite fait parce qu'on n'a pas montré, qui donne 20 dommages feu et 25 résistance fixe en terre. Donc au niveau des caractéristiques, donc tu t'es parchoté 101 dans tous les éléments. Voilà, 101. En vita, sagesse, intel, chance et agi. Donc ça te fait de bonnes Ouais, caractéristiques, hein. plutôt pas mal. Sachant que tu auras dans 300, Bah, presque 400 dans tous les éléments. 400 minimum dans toutes les caracs pour quand j'aurai la panneau entière. Voilà, c'est ça. Ce sera sympa. 2000 en initiative, 209 en prospection, 3 de PO. Donc tu auras Voilà, 4 de PO avec 4 la de PO. panoplie. Attends, les bottes, attends, je regarde un truc. Elle Ok, donne non. pas de PO. Non, je voulais le regarder, mais non. Ouais. Au niveau des retraits PA 20-36, mais bon, ça au pire aux F. Tacle 41-58 de fuite, 152 en puissance. Donc, d'où l'intérêt de mettre le rebut, sachant que de base, de toute façon, il n'était même pas 1 sur 2. Voilà, Donc, vu que t'as donc. pas de dofus sur quoi, donc c'est pas Non. grave. Même si c'est pas très utile. Enfin, je trouve pas ça vraiment très utile d'être 1 sur 2 là pour l'instant. Bah, pour le moment, Ouais, quoi. pour le moment, c'est pas grave. Ensuite, au niveau des dommages, ben, 10, 50, 56, 56 et 38. Au niveau des caractéristiques dommages de l'Ika Flip. Après, au niveau des résistances, bon. Voilà, les résistances, bah, ça va s'optimiser de toute façon quand j'aurai la panneau. Ouais, là pour l'instant, c'est voilà, 20 en feu. 25 en terre fixe, en eau ben, j'aurai 20 résis, R25, voilà, ben, pas trop mal non plus. Voilà pour la présentation des caractéristiques de Fuji Hero. Ensuite, au niveau des sorts. Alors, les sorts que tu as montés, je te laisse. Alors, pour les sorts, ben, j'ai monté Félation, donc pour les sorts eau, Félation, bien sûr, bon du félin. Bluff Bluff. primordial pour taper, parce que c'est la première attaque avec laquelle je tape personnellement, bah, comme beaucoup. Ouais. Perception pour faire à tous les tours pour te donner des dommages. Contre-coup que tu vas bientôt monter aussi. Tu vas acheter Voilà, des parchemins de sort pour monter. il faudrait que j'achète. Roulette, voilà, super utile aussi Tout ou pour. rien que tu monteras aussi bientôt parce que ça tape quand même vraiment beaucoup. Ouais, Donc dès que tu pourras, pour ce tu soin. monteras, ouais, pour ce soin. Roulette, top cage, élan grimpeuse que tu as augmenté aussi. Voilà. Niveau Bah ça 6. c'est très puissant aussi. Roue de la force normale. Esprit félin. En sort, voilà, terre, griffe joueuse, griffe de single. Vraiment très puissant aussi. Et destin et café. Horicop, je l'ai baissé. Parce que bon, je vois. C'est Tu t'en pas. sers pas trop quoi. Non, ça sert pas vraiment. C'est pas vraiment utile. Enfin, je trouve. Je préfère taper au bluff et plutôt qu'Horicop. Voilà, ça rock mieux. Et les réflexes que tu monteras bientôt dès que tu pourras avoir assez de Voilà. parchemin et monter aussi en niveau, tu Ouais. monteras un petit peu tous ces sorts quoi. Ça ira t'ira petit à petit parce qu'il te reste quand même plus que 31 millions. Donc tu vas les garder et un peu faire fructifier. Tout ça et te Voilà. refaire un peu des camins parce que c'est vrai que ça descend assez rapidement. Donc on est parti au putsch et on reprend la vidéo. Donc nous revoilà pour le test de l'Eka Flip. C'est parti, ben, vas-y, lance roulette et tout Allez, le. c'est parti. Donc on attaque avec une petite roulette. Oh là, Ah bah 400 400 force. force, bah tu vas commencer par la force. On a un peu plus de chance que tout à l'heure déjà. Allez. Ouais parce que tout à l'heure en fait on a fait la vidéo, mais on a parlé pendant 20 minutes pour rien parce que j'ai coupé le micro. Donc voilà. Donc moins 742 à esprit félin. C'est quand même pas mal. Oublie pas de relancer encore un petit coup de roulette. Allez, en espérant avoir notre élément. 58. Ah ben non, tant pis. Tant Allez. pis, donc on va taper un petit coup de bluff. 488 Pas en oublier de haut. booster un peu. Ah oui, oublie pas. Ouais. Toujours utile. 491 Et et 16. 501. Donc ce qui est quand même pas mal, hein, Voilà, voilà. sincèrement. Allez, relance encore un coup. Hop. 400 force, 400 bah vas-y, on force. fait une griffe joueuse, hein, tu n'as pas fait.
Et deux griffes joueuses. Un destin des cas. 527. Et à 485. Voilà, même en terre, c'est pas dégueulasse. Non, okay. Non, ça tape très bien. En plus, avec ce petit bonus, c'est toujours potable. C'est toujours ouais. Ça. Bah, de toute façon, on passe. Hein, de toute façon, pour t'es pas boosté là. Hop. Allez, c'est parti. Alors, 400 force encore. Encore la force. Ils sont à faire encore. Ouais, 595. 96, pardon. 694. Alors, en espérant que cette roulette. Que ça change un peu parce que ouais. La force. 50 dommages. Ouais, bah vas-y, bluff, hein, vas-y, bon, c'est utile aussi. Reparti bluff ou relance un coup de perception. Matin, on va faire. On va taper feu. 411 à top cage. 461 et un coup de l'engrappeuse. Ah, 441, bah, que du 441, décidément. Voilà. Ça, c'est bon. Roulette. Un coup de perception, non? On va voir. Sans dommages poussés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être taper haut là pour monter. Ouais, vas-y. 614. Voilà, c'est quand même pas mal. Et ensuite, enfin, le coup de tout ou rien. Allez. Donc le sort niveau 1 qui tape quand même du 588, ce qui est quand même pas mal. Encore un petit coup. Ah, nickel. Voilà, un petit tour pas mal, hein. Ah bah oui. Allez, c'est parti, roulette. Ça, toujours des bons dommages. Hop. Allez, bon, 2 PM, ça. Griffe de. Griffe ouais, single. C'est parti. Single. 589. 400. Allez, on relance un coup de roulette en espérant cette fois-ci un petit bonus chance ou agi. 50 dommages, bon, on relance. Hein, 506. Un coup de réflexe. Ah bah non, trop tard. Puis la PO, puis les PA, pardon. Ben, griffe top cage, hein, ma foi. Voilà, un petit top cage. Bon, mais bon. On relance encore un colis. Allez, vas-y, on en fait un deuxième. Un petit colis, allez. Un colis, un pouch. Un pouch. On est fatigué. Ouais, on est fatigué, il est un peu presque 1h du matin, donc on commence un peu fatigué. 400 agilité, ah, bah vas-y, voilà. Fais top laise, la griffe de single, hein, vas-y. Allez, c'est parti. Vous allez voir un peu. 627 et 613, ça aurait été monté dans les 700, malheureusement on n'a pas eu de CC. Ouais. Vous avez vu un petit peu ce que ça tape. CC, c'est au 700 minimum. Hein. Sans dommage poussé. Hein. Encore. Là, tu t'en sors. Des fois je galère. Voilà. Allez. On va jouer sur les dommages poussés. Donc c'est plutôt potable, hein, vous avez vu. Alors après vous faites comme vous voulez, hein. Pour moi je trouve que c'est vachement plus intéressant de jouer en Ekaflip multi-éléments plutôt que dans un seul élément. Ça vous permet d'être très polyvalent en PVM ou en PVP. Par exemple en PVM, si vous avez des mobs si vous êtes full intel et que les mobs ont beaucoup de résistance en intel, ça vous permet voilà, d'être en multi-élément, de pouvoir taper en haut, en chance, en terre. C'est vraiment en agilité, je trouve que c'est vachement plus intéressant, quoi. Surtout qu'en plus les EK en ce moment sont assez cheaté, donc autant en profiter. Mais enfin, pourquoi pas se priver? Pourquoi se priver? Ouais, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Donc, bon, après, pour le niveau 190-200, 180-190, cette panoplie qu'on vous propose, elle est très bien. Après, voilà, si vous avez après, bon, vous pouvez apprécier ou ne pas apprécier, mais bon, nous on trouve qu'elle est super sympa cette panneau, au contraire, donc. Donc voilà, moi sincèrement, je trouve que. Enfin, moi je suis plutôt content du stuff que t'as. Ah oui, carrément. Oui, coup, un coup de réflexe pour montrer vite fait. Voilà. Donc 361, sachant qu'il a le sort niveau 1. Voilà, ce qui est quand même pas mal. 430 à top cage. Attends, je vais voir, j'ai envie de tester un truc moi aussi. Vas-y. Top place. On va recommencer. On va faire ça. Voilà, combien j'ai fait sans soin, ok. Et ça pour le boost de tout à l'heure. Voilà. Et un coup de drift de single. Allez, c'est parti. 14 PA. 400 agilité, ok, bon, on va refaire encore. Voilà, et deux coups de bluff.
S512. Dommage, c'est bien dommage, c'est qu'on n'est pas sorti DGR. Ouais, Parce que ça aurait sorti du moins 650, ça aurait été assez cheaté, carrément, quoi. ça aurait vraiment. Ça aurait bien rendu. Il reste plus combien de points de vie? Bon, Bon, bah, 780, c'est bon. Bah, vas-y, je laisse on terminer. va vite le finir. Ah merde. Voilà. Ben voilà un petit peu pour la présentation de S-Fujiro. Donc pour vous dire aussi que à partir du mardi 26 août 2014, il sera sur Brumaire. Là, il est sur Jaul. Donc à partir du 26 août 2014, il sera sur Brumaire pour revenir jouer avec moi dans ma guilde, etc. Donc vous pouvez nous contacter, moi, donc EZ Ezor, donc sur Brumaire. De toute façon, vous voyez mon pseudo comment il est, pour être recruté dans notre guilde. Ce sera à partir du niveau 180. Et justement, on va vous dire un petit peu ce qu'on compte faire. Bah quand je vais arriver sur Brumaire, Ouais, quoi, on donc a un petit projet. on a pas mal de projets à vous proposer justement. C'est qu'on va vous refaire des vidéos comme on faisait avant, donc des Coliseums. On va vous faire des vidéos où on a l'avancement de nos stuff pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait au niveau de nos kamas, des équipements. Ce que je fais avec mon Zobal, on le fera à deux dès qu'il Voilà. pourra, parce que c'est vrai que de temps en temps il pourra peut-être pas en faire, mais dès qu'on Ouais. pourra, dès qu'il pourra être là, on vous proposera voilà des vidéos de ce genre comme on faisait au tout début de ma Pourrait être chaîne. sympa. Je Ouais, pense que ça peut vraiment être sympa, sympa, ouais. faire des succès duo justement, Donjon duo, voilà. donjon duo, découverte dimension, enfin découverte des donjons de dimension Unitrosor, Srambat, parce que c'est vrai qu'il connaît pas ces zones vu que ça fait 2 ans qu'il a arrêté. Donc ça lui Ouais. permettra de redécouvrir un petit peu tous les classes qui ont été modifiées, nerfées, etc. Donc je pense que tu vas avoir du pain sur la planche parce qu'il y a pas mal Ouais. Pas mal de choses à redécouvrir. de choses à redécouvrir. Donc ouais, en espérant que. Voilà, des petits colis, tout ça, comme il a dit. Et voilà, on va essayer On va essayer de vous proposer un contenu assez plutôt assez di sympa, voilà donc des vidéos assez avec divertissant. Salixus et les autres, on continue. C'est juste que Salixus, il est sur un autre serveur, donc on ne peut pas faire tout le temps des vidéos ensemble, mais on continuera à en faire. Mais là, vu que mon cousin est sur Brumaire, on pourra en faire vraiment très souvent. Et vous nous direz en commentaire si ce projet ça vous intéresse, en plus donc de mes vidéos sur avec mon Zobal. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo, le projet vous plaît. C'est important, et nous dire un petit peu ce que vous en pensez, et je compte sur vous aussi pour me dire un petit peu au niveau de la DD, de la Dragodin ou du familier que vous pouvez nous proposer, qui serait peut-être plus intéressant à la place de la DD armure. Donc ouais, je sais pas si t'as un autre truc à rajouter. Voilà, bah, je crois qu'on a tout dit, c'est bon. Ouais, Je pense qu'on a voilà, tout dit pas mal. pour le stuff de Voilà, ton Eka Flip. c'est bon. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, ça vous prend 2 secondes. À mettre un commentaire comme je vous l'ai dit, et à me suivre sur Twitter et Facebook. Les deux réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Ça vous permet d'être au courant de mes nouvelles vidéos et de mes lives sur Dofus et sur mes autres jeux sur Twitch. Donc ouais, merci encore à vous d'être aussi fidèles. On atteint bientôt les 80 000 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça monte de plus en plus rapidement. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercie à chaque fois à tous de vos messages de soutien. Si vous m'impez sur Dofus, sur Brumaire et que je ne réponds pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, c'est que des fois je suis occupé. Donc ouais, dès que je peux, je réponds. Mais si voilà, je vous réponds pas à votre salut ou autre, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je suis soit FK ou occupé ou en donjon. Donc voilà, vous inquiétez pas quoi. Merci encore à vous d'être aussi fidèles encore une fois et je te remercie de m'avoir accompagné Oh, durant ben de cette rien. de vidéo et j'espère que ça vous fait plaisir qu'on refasse des vidéos ensemble. Voilà. Merci encore à vous et à demain. Ciao tout le monde, à plus, bye, À ciao, plus. ciao. Et si vous voulez acheter des jeux pas chers comme Arma 3 pour jouer à Altis Life, DayZ, Watch Dogs et très prochainement GTA 5, vous pouvez aller sur g2a.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Oh, ça sera tout. Merci de la production que vous avez laissée. Eh, tu as vu ta radio là. C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises voilà, que les voilà, grignotes le gaulois poubelle. ont